partie d'un simple passe-temps, StreamOwner est l'une des nouvelles startups qui ont vu le jour sur le territoire. StreamOwner, c'est un projet que j'ai créé que j'ai commencé il y a 4 ans. C'était un projet que je faisais en dehors de mes horaires de boulot. J'ai commencé à le créer donc tout seul en autodidacte, puis à le partager à mes amis. Et en fait, j'ai vu que derrière, il y avait un vrai concept qui intéressait et qui répondait à une problématique. Et de ce fait, c'est devenu une entreprise tout doucement comme ça. Voilà. Direction StreamRunners, le premier site où tous les utilisateurs Twitch sont gagnants. Twitch, c'est une plateforme qui permet à chacun d'entre vous d'avoir une chaîne télévisée en direct où vous allez pouvoir partager le contenu que vous le souhaitez gratuitement sur Internet et même potentiellement d'être rémunéré pour ça. Alors, du coup, StreamOwner, c'est une plateforme qui aide les petits streamers de Twitch à se faire connaître. Donc il faut savoir que sur Twitch, la plupart des utilisateurs, des streamers qu'on appelle, tournent entre 1 et 3 viewers de moyenne. Donc les viewers, c'est les personnes qui les regardent. Et donc nous, on vient pallier à ça. Et en fait, les gens qui regardent ces petits streamers, ils cumulent des pièces pour participer à des tombolas et gagner gratuitement des cadeaux. Et sinon, le site StreamRunner en lui-même est encore voué à grandir avec plein d'autres projets qui arrivent autour de lui également. Oui. Un concept qui, pour décoller, a reçu un petit coup de pouce de l'agglomération, notamment du Louvre-Lens-Vallée. Oui, tout à fait, on a été incubé au LLV, on a même été accéléré au LLV. Si vous voulez, on était deux jeunes avec mon associé Nicky Reberg. On n'avait jamais fait d'études dans l'entrepreneuriat ou on n'y connaissait rien du tout. Et du coup, ça nous a permis d'apprendre les bases, ce qu'est un business plan, un prévisionnel financier, se créer des contacts aussi, c'est très important dans une société. La start-up s'est installée dans la région et ne compte pas y bouger. Alors pour l'instant, on est à Mazingarbe, c'est une petite ville qui a 15 minutes de Lens. Et là, on prévoit de déménager, mais toujours en restant dans la région, puisque vu que la région nous a aidés, on estime qu'on doit créer de l'activité dans cette même région. StreamRunner est donc un site qui permet de partager sa passion en direct. Si vous souhaitez embarquer avec eux, vous pouvez facilement les retrouver sur les réseaux.